Je suis Violette. Je suis... J'étais... un tas de fumier. Qui a explosé d'amour. Et je cherche pas à t'apitoyer, Calvin, pour non sage, je mens. Je raconte juste. Je dis juste, je raconte. Pourquoi parler à, c'est ça? Calvin. J'ai tellement que j'ai oublié de... J'ai tellement mangé que j'ai oublié d'aimer. J'y pensais plus. Je sentais plus le... la tête. Mais... enfin, même à toi, j'ai presque plus pensé. Longtemps après que t'es parti, j'y repensais après. Pendant ma graisse, de toucher à être. J'ai repensé. C'est dans ma drogue, dans. Mon sucre et ma graisse, ma drogue, au fond de mon cerveau, qu'aimer que ça, que je hais, que manger, c'était de l'amour. Mieux que l'amour pour... Et la graisse que je mangeais pour faire de la graisse humaine, dans le sucre et la graisse, de l'amour. Et j'aimais la poésie. C'était vital, comme une fleur, ses pétales. Fallait écrire, écrire, dire de la poésie. Et la poésie, c'est total, parce que la poésie, personne n'en vit. T'en as jamais lu, Tadeline? Non. On a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vivre. Quand j'ai dit d'argent, tout le temps, quand j'ai dit c'est ça que je veux faire de la poésie, quand j'ai dit c'est ça que je voulais faire, là, on m'a regardé comme si on m'a dit là, ma vieille, il faudra et tu finiras en maison de travail. Alors, les maisons de travail, je t'explique alors, Calvin, du travail, il n'est plus pour vendre ce que le travail a produit. J'ai encore dans le regard pollué 200 222 images, année, année, images, tant de pubs qu'il fallait absolument, absolument manger, plein les yeux jusqu'au cerveau à déborder de la cornée. Tant de pubs, et un jour je suis tombée sur... Un jour je suis tombée sur... sur une poésie sur l'écran. Mais d'où elle venait? J'ai tombé sur cette poésie et j'ai pleuré. J'ai pleuré, c'est presque ma chair qui a pleuré. Comment des codes? Comment 2 kilo-octets de codes? Même pas, on fait pleurer ma chair jusque ce... Mais je cherche pas à t'apitoyer.
Je cherche pas à t'apitoyer, je dis juste j'ai pleuré, je dis juste j'ai pleuré, pas pitoyer. Moi je cherche qu'à rationaliser. Je dis juste, je dis que je conclue que c'est 2 kilooctets de code émotion et je défends pas la poème, je m'en fous. Je m'en fous. T'es mieux. Regarde Calvin. Je te regarde. T'es plus plein d'amour qu'une poésie d'amour dans mes yeux. Moi, je veux plus de bouffe dans mes yeux. Je veux tes yeux et tes cheveux. Là? Non. Non, là, j'étais pas énervée. Non, là, je m'énerve pas. Je m'énerve pas. Je sais, ça sert à rien, t'es pas crédible ce que t'as à dire, t'écroules. Non, énervé, Non, j'étais pas. Non, tu peux pas dire ça, Calvin, je m'énerve pas, je m'énerverai pas, je m'énerverai pas. Tu m'énerves à dire ça. Donc la poésie, ouais. Et le mieux, c'est que je t'en dise, t'en lise pour que tu comprennes, toi, tout bien, c'est rien. C'est rien du tout. Et là, sur le papier de la poésie, il y a 3 kilooctets. À tout casser, donc je dis là, 3 kilobytes. Quand je me regarde dans une glace, je vois mes yeux qui brillent. Je me mets de face et je vois mes yeux de fille. Ce que je veux dire? Mais non. Mais non, non, j'attends rien. Il s'agit pas de dire, à me dire si c'est bien ou pas. Non, il s'agit pas. Ça, c'est quoi cette petite poésie? Ça se télécharge en une nanoseconde. Mais moi, ce que c'est que j'ai, c'est ça. Faire ça. La poésie de rien du tout. Et c'est des heures perdues, des heures à rien d'autre, à rien faire, pas produit qu'à faire ça. Des mots comme ça, avec d'autres, des mots, là, qui servent à rien. Donc, comment je disais ça? J'ai perdu le flux. J'arriverai jamais à finir à dire. Il y a toujours un truc qui me coupe. Quelquefois c'est blanc, je vois vraiment du blanc, des blancs, où j'oublie tout. J'ai pas de fil dans ma tête, ma bobine à penser. Je parlais de. Je parlais de. Ils m'ont pris ma tête avec mon gras. Calvin! Calvin!
Tu fais quoi, toi? Hein, tu fais quoi? Pour te payer le droit de faire autre chose que de travailler toute la journée, tu fais quoi? T'es-tu déjà t'es fait payer combien d'heures d'emploi, de travail pour avoir le droit, juste le droit d'être là, toi, à te gratter un doigt et sourire de moi, Calvin? Parce que moi, je vendais mon, c'était pas vraiment mon corps, non. Non, je vendais ma graisse. La graisse que faisait mon corps, je revendais ma graisse. Est-ce que c'est encore mon corps? Mon. On peut dire le corps tous les 7 ans. Voilà, ma chair est totalement reconstituée. Et ben moi, c'était tous les 6 mois. En fait, j'avais 6 mois pour prendre des kilos et des kilos, 60 en gros, en gras. Et ils aspiraient tout dans un tuyau. Et je refaisais 60 kilos pour reconstituer le gras et revendre et revendre. Et je savais bien comment faire. J'estimais, je m'étais fait un programme. On m'avait dit, on sait, on te donne les principes, après tu te débrouilles ou on t'accompagne. Mais c'est moins cher pour toi si tu te débrouilles et pas qu'on t'accompagne. Ils me disaient tu, et moi je leur disais, donnez-moi les principes et je m'accompagne toute seule. Et je me suis accompagnée et j'ai mangé, j'ai commencé à manger. C'était simple en fait, les principes, le principe. Il fallait du sucre, des graisses et ensemble. Ça, c'était très facile déjà parce que déjà il y avait ça, il y avait déjà partout. Il y avait déjà plein de choses à manger qui étaient déjà ça. En regardant sur un, on voyait le paquet matière grasse. Et sous la matière grasse, tout de suite, il y avait du sucre. Matière grasse et sucre, matière grasse et sucre. Et des autres trucs en quantité infime, noyés dans le paquet comme une poésie dans un big paquet de données. Au bout d'un moment, c'est un réflexe que tu manges. Tu te dis, ah non, 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 surtout pas protéines. Pas protéines, mauvaise. Protéines, il faut de l'énergie pour le corps, presque plus que pour la digérer, que pour la qu'elle en rapporte au corps. Donc refuse-la. Hein. Faut pas la protéine, faut pas les fibres. Les fibres, elles m'empêchent le taux de glycérine d'augmenter. Ils m'ont dit, non, fallait pas les fibres. Il faut en fait, pourquoi? C'est simple, il faut du sucre et de la graisse. Plus t'es glycériné, plus ton corps, il fait ton gras. Hein. C'est pas le tout de donner au corps des calories. Il faut lui dire, prends ces calories et stock. Stock, stock, stock. Fais ta matière graisse. J'étais complètement stockée. J'ai mangé gras, sucré et j'ai mangé des gaufres, des frites au chocolat blanc, des gaufres, des beignets au choquinella, des gaufres au choquinello, des beignets et des gaufres noisies délicieuses au popo. J'ai mangé gras et du sucre. Oh, c'est bon le sucre. Et plus t'en prends, plus t'as envie. Madame Glycérie, elle monte. Pff, aux étoiles et une heure après, t'as refaim et c'est bien. Mais tu manges, tu remanges, t'as envie et t'aimes bien. Et j'ai remangé, j'ai mangé, j'ai raffamé. Alors j'ai tout revendu, mon surplus. Moi je vendais beaucoup de gras, il paraît que non. Ah non. Je pouvais pas vendre la chair, le muscle, les muscles. Car les muscles ne se refont pas, c'est la loi du non. Le gras, oui, mais pas les muscles, non, on n'est pas des barbares. On peut vendre son sang, les globules, ses plaquettes, on peut louer un espace utérus. On peut vendre son sperme et ses ovules. On peut louer, même acheter une concession, il paraît, sur un vagin. Calvin, t'es pas intéressée par le mien? Ou le louer comme une place de parking? L'anus aussi commence à bien monétiser.
L'anus se porte bien sur le marché. Une concession pour 2 années, dit la pub. Mais la chair, le muscle, non, pas ça. On n'est pas des barbares. C'est la loi qui veut pas. Sale, sale, sale bouffe. De sale, sale bouffe. Bonne, bonne qui fait bonne à la bouche. Sale bouffe, bonne jusqu'au fond du cerveau, direct, sans passer par la pensée. Ils sont tous à essayer d'inventer des pilules pour maigrir. Des moyens de maigrir, d'avoir l'air fin, d'être bien fin. D'un côté, on leur explique que d'un côté, il faut manger ça si tu l'oses. Si t'es un vrai de la pub qui a la mode de ce qui se fait dans le vent du temps de mieux maintenant. Mais t'y arriverais? T'y arriverais à manger ce paquet multiplayer pour big size, big fan, pour te kiffer devant ton hyper zapping là. Le meilleur du meilleur de la télé, du zapping, de la télé, des émissions et bêtisiers de là ces 2 dernières années. Web. Dac. Hoc. Pouf. Est-ce que j'ai faim là? Non, non, j'ai plus. J'ai plus faim. Moi, je mange plus. Je pue de manger, je pue de tuyaux, je pue du cul. Je voudrais voir combien de temps, combien de kilocalories quand tu m'as souri. Un an durant et puis t'es parti. Et la poésie, c'est... Mais c'est mon ami. C'est à quel point c'est rien dans ce monde-ci. C'est tellement loin que j'ai compris à quel point on peut s'en passer de la poésie, à quel point je comprends même pas. C'est comme de perdre des dents comme ça, en rêve, ça ne sert à rien, ça. Ça ne produit rien d'effet. Un lézard. Une zone. Un écart. Entre les hommes. Il est tard, mélancolie pris à l'instar de mes nuits. Un sourire près d'un mur, l'avenir, ma fissure. L'envie dépasse des soleils, la nuit délaisse ses deuils.
tes habits, tes hasards, je supplie du regard. Plus tard, tu me diras, là je pars, sans toi. Là je pars, mais sans toi. C'est nul, hein? Tu dis rien? Tu sais pas si c'est pas si nul ou bien si c'est nul, nul, nul? Ou bien très bien? T'as pas la mesure de ça? T'as pas ton double décimètre pour mesurer ma poésie? Les rejets de cette peur sans objet, sans toi, je pleure. C'est nul pour des études en université de lettrés qui ont toutes fermé depuis la réforme. Mais moi, ça me fait pleurer de dire ces mots, de les écrire dans leur écrin de nullité, de t'embêter, Calvin, avec. Tu peux pas comprendre que je t'ai aimé, que tu m'as quitté, laissé m'engraisser. Non, t'embête pas, Calvin, c'est pas... C'est pas beau ou bien. Non, rien. Tu vois, c'est ça. D'abord, j'attends pas. J'attends aucune. D'abord, les gens, quand ils entendent la poésie, ils se disent, mais ça n'a. Ils rient dedans. Il pouffe en pensant, mais quand ça finit? Comme voir un enfant penché sur une coccinelle qui monte péniblement sur un brin d'herbe alors qu'il faut avancer. Allez, à l'école, dit maman, ça. Oui, c'est beau, mais ça ne sert à rien, ne rapporte rien, pas d'argent à maman. Non, je ne me révolte pas, ça sert à quoi? Tu m'as vu augmenter le volume de ma voix, là. Je plaisante pas, je fais si, oui. Un peu de mauvais esprit, oui, non, non. J'en ai pas d'alternative au monde. Je suis pas une alternatrice, donc je ferme ma. Ou si je me l'ouvre, je mange, je mangerai, je ne mangerai plus. Et je me la ferme, alors, pour plus manger. Je ne mâcherai plus jamais. Nah. Tu te révoltes, toi, ou tu manges? Hein? Tu veux te révolter, toi, ou manger? Manger? Ben oui, on est d'accord.
Viens m'aider à expulser elle, lui et toute sa famille là. Ils sont maigres mais pas riches. C'est louche. Ah oui. Cette masse-là est pas de chez nous. C'est les nouveaux climats qui nous les ventilent comme de la poussière. Mais repasse ta frontière, toi, sale maigre! Putain de maigre! Balais-toi de chez moi, sale maigre! Putain de maigre! Putain de maigre! Moi aussi, je sais, je suis maigre, là. À chialer, à n'avoir plus besoin que d'un siège pour mon fessier en long courrier, mais je l'ai décidé. Moi, j'ai mangé assez pour toute ma vie depuis que t'es partie. Quand je suis entrée à l'hôpital de nuit, après j'ai mangé à l'hôpital, enfin c'était pas un hôpital, c'était une clinique. J'étais pas écœurée, j'avais des pilules pour pas. Et je sais pas pourquoi, mais au milieu de toute cette graisse à manger, à fabriquer, entre les barquettes et les bourrelets au milieu, je t'ai encore aimée, je veux souffler là. Souffler. Tu sens pas, t'as pas envie d'un break? J'ai reconnu, j'ai aimé. À fond, au fond de ma graisse, de mon fumier, au fond de mon lard, s'il est à voir, je t'ai vu me regarder des yeux et presque écarquillé, dégoûté de mon corps, sa réalité en disproportionné. C'était pas un coup de foudre. Comme dans un tas de fumier, où les gaz, quand l'infirmière est passée à côté, frôlée, cette fois-là, ce serait mis à fermenter, à exploser, s'enflammer. Quand un type est passé à côté, frôlé, elle a fait un truc que j'ai pas oublié, elle, au type, là. Elle était pas bien grosse, elle l'a approché. Le type a eu l'air interdit de le faire, elle l'a bloqué de passer. Et elle y a collé un baiser. Un baiser. Comme celui que j'avais oublié que tu m'avais en vérité, après une poésie donnée, qui parlait de plein de choses, je sais plus ce que je te disais, mais qui était que quelqu'une qui t'aime, que je te disais juste que je t'aime, ce baiser donné qui est revenu me déflagrer. Je sais pas si t'avais compris ça, Calvi. Et ça fait mal. L'opération de délestage, 60 kilos. Avec ça, l'argent, je pouvais vivre bien pendant 5 à 6 mois et demi durant. J'en vendais tous les 6 mois 60 kilos de fraîche graisse, revendais toute ma graisse surfaite. Je pesais 120, je pesais ou 127, je sais plus, kilos. Il y a deux jours, c'est ça. J'ai les dates sur la facture, le forfait, l'extrait de rente. Je suis mieux là à 60. Ça roule bien mieux là à 60. Je ne vendrai plus jamais plus rien de moi à d'autres humains. «
Je prêterai, j'échangerai, je donnerai et on me rendra, on s'aimera ou pas. Mais est-ce que le riche, il n'a pas à vendre son corps aussi? Est-ce que le riche, il n'est pas contraint tant ils sont tout maigres? Les filles, elles ont le gap. Moi, j'aimerais pas être riche, j'aimerais pas devoir faire être tout comme ça, t'imagines, Calune? Oh non, pas être riche, non, tout ça. Belle à talons hauts, nickel beau, de la belle toxine pour se refaire les lèvres, tendre la peau, refaire la plèvre, retendre un hymen tout propre, toute pucelle à l'imprimante 3D, devoir être pas malheureuse, avoir les dents plus blanches, plus maigres pour sourire, d'être heureuse avec les joues creuses. Tu m'aimerais comme ça pourtant, Camille. Pas devoir avoir le droit de garder quoi que ce soit d'origine de ton corps d'avant, Calvin. Pas un défaut, pas une systole un peu folle, pas un pied un peu beau, pas une tache sur la peau. Tu supporterais, toi, ça, Calvin? Ce qu'il faut que tu comprennes, Calvin. Calvin, c'est ton vrai nom, ça? C'est de quelle origine, ça, Calvin? C'est bien ça, hein, on dit bien Calvin. On dit pas Calvin. On dit Calvin, Calvin, Calvin. La poésie, c'est parce que j'ai aimé quelqu'un. J'en dis une autre? Non? Tu dis rien? J'ai besoin ou envie de faire l'amour. L'amour faire avec mes restes de chair, sans graisse, mais avec un peu trop de peau. Moi, je ne mets pas des crèmes. C'est trop cher le pot des crèmes pour ma peau, c'est peut-être. Peut-être c'est ma graisse même dans le pot de la crème. Même sale, ma peau passe plus à ma taille sur mes os et ma chair sans ma graisse. Je te montre. Et je me révolte pas. C'est vraiment dur ce mot. Je me révolte pas. Ça veut plus rien dire pour moi, puisqu'on a tout ça à manger en tas de montagnes devant nous pour jamais mourir de maigrir. Moi, je me révolte pas contre rien. Je suis juste là devant tout. J'aurais aimé mieux pas vendre mon corps, tout le gras, tout ça. J'aurais mieux aimé mieux pas.
Une fois, je... Non, je ne me révolte pas. J'ai juste dit autrefois, Tu sais, les gens qui disent autrefois, mais autrefois, on ne pouvait pas vendre son gras. On vendait celui du porc, du bœuf, du mouton, de l'oie, des baleines, mais pas le mien. Et ben moi, je me suis vue être bête, et me dire... Mais autrefois, mais c'était pas si mal que ça qu'on puisse pas vendre son gras. Je me révolte pas, là, j'ai juste peur, j'ai juste dit autrefois de l'avenir. Je ne vois que des fissures dans mes murs, mais de quoi je vais vivre maintenant? Tu vois, j'aurais envie de faire des choses, mais je les fais pas parce qu'il n'y a pas d'argent pour les rêves non toxiques. Et pourquoi il y en a beaucoup trop pour faire des crèmes de jour, des crèmes de nuit, des crèmes... pour quelques vieilles, mais très vieilles, pleines de plis humaines, des crèmes de rides, de réforme aux plastiques faciales et vaginales avec mon gras, et que pour ça, y a pas... Je savais pas. C'est parce que la poème dit ça. Tu vois, t'en sais toujours plus que moi sur tout ça. Honnêtement, là, je sais pas. Honnêtement, je sais plus. Si l'endroit d'arrivée, c'est un sommet blanc. Mais que le sommet, tu t'aperçois que le blanc, c'est de la neige carbonique. Qu'il y a une télécabine sur la pente opposée que t'avais pas vue par là où t'es monté et un distributeur de gras et sucré au sommet. Ben peut-être ce sommet gras et sucré sous un dôme en plastique en plein désert, ben moi j'y vais pas, je ne vais pas y aller. Je pars à vide ce matin. J'ai lavé mon orgueil dans les glaçons du bain. Je glisserai contre tous les écueils. J'ai du gras plein la gueule dont je nage. L'eau est comme un linceul où la plus seule transite. L'argent et Dieu sont dans tous les cadavres. Je suis de l'eau dans l'eau. J'ai le sourire d'une épave. Je sais. C'est le plus beau. Combien de temps on peut tenir sans manger? Combien de temps on peut tenir sans manger? Je vais marcher jusqu'à ce que j'ai plus, mais plus du tout, un grain de graisse à brûler. Tout aspiré, dégraissé. Plus légère. J'ai de l'argent pour tenir 6 mois et demi et mourir. Consomme-moi, Calvin. Consomme-moi. Je suis dépourvue. Périssable.
t'es touchée? Non. Moi, tu sais, j'ai plus à voir avec le cochon, biogénétiquement parlant, qu'avec toi qui lis pas de poésie, Calvine. Alors, Gervais, ta cervelle est à reprête. Garospine, poésie, c'est reparti. C'est un endroit que je connais. Et tout ce qu'on y fait bouscule les lois entre la mort et toi et moi. C'est un endroit sans objet. Partout où l'œil se pose, pas une chose ne reste ce qu'elle paraît. Hein? Hein, ça fait bien chier. Tu te dis dès le premier mot du premier vers, mais elle va se taire. Elle va se taire. Eh ben non, je te dis ça, moi, je te dis ça à toi, et à toi, vaut-toi là, à toi, je la dis, ma poésie miteuse, écrite en 10 minutes après les beignets à la friteuse. C'est mon corps qui a craché ça, et mes doigts faisaient des taches de gras sur les rimes de mes pieds. La poésie, tu sais plus où t'es, ça te change de paradigme, quoi. C'est quoi un paradigme? Je sais plus, moi, exactement. Ben oui, Violette, c'est toujours mon nom. Tu t'en... Pauvre con. 19h49. Le chemin, une plume dans la main. Une agrume. Un colline quoi? Tu dis quoi? De quoi? Un? Ah, on dit un agrume. Ah, le chemin, une plume dans la main. Un agrume. Calvine, j'ai peur ici, dehors. Je reste là sans effort, même s'il pleut du froid, même s'il tape du soleil sur mes nerfs, à m'en fermer les yeux et haïr la lumière. Ta main. Allez, je vais pas te manger, quoi.